Salut, salut, j'espère que vous allez super bien. De retour sur la chaîne Info et Astuces d'Abidjan pour vous présenter un nouveau tuto. Aujourd'hui, dans ce tuto que nous verrons aujourd'hui, nous verrons une astuce afin de vous permettre d'avoir ChatGPT-4 et Midjourney directement sur WhatsApp. Voilà, donc comment dirais-je, c'est un tutoriel qui passera aussi bien sur Android et sur Apple. Donc, si tu as ces deux téléphones-là, tu dois savoir que tu pourras toi aussi utiliser ce service-là. Donc, si tu es nouveau sur cette chaîne, que tu viens à peine de tomber sur cette vidéo, je t'invite à t'abonner pour ne absolument rien rater de mes nouveaux tutos. Et surtout, de laisser un gros pouce bleu sur cette vidéo si elle a pu t'aider. Voilà, il est 2h12 maintenant. Je pense que vous allez avoir cette vidéo aux environs de 9h et tout. Voilà. Donc, laisse un gros pouce bleu pour encourager la chaîne. Voilà. Donc, si toi aussi tu veux avoir ChatGPT et Emile Junior directement sur WhatsApp, tu vas te rendre sur Google Chrome et tu vas entrer akami.ai dans la barre de recherche ici. Akami.ai, tu vas rentrer ça dans la barre de recherche ici et tu vas appuyer sur le premier lien qui se trouve ici. Ce premier lien là, tu vas appuyer dessus. Une fois que tu tombes sur ces liens-là, vous pouvez le voir. Camille, c'est une assistance IA personnalisée. Donc, vous voyez, on vous donne même des images, des mille journées et tout. Super facilement. Donc, c'est une IA qui est vraiment à portée de main et tout. Et elle aussi, vous allez pouvoir personnaliser la personnalité de Camille. Donc, une fois que vous êtes ici, vous allez venir appuyer sur discuter sur WhatsApp. Ici, vous allez appuyer sur discuter sur WhatsApp. Voilà, et vous allez voir que votre WhatsApp va s'ouvrir automatiquement. Vous allez faire continuer vers la discussion et vous allez envoyer le message. Voilà, une fois que vous envoyez le message, ici on va vous demander de choisir votre langue. Donc, si vous parlez l'anglais, vous allez mettre ce qui est marqué ici. Voilà, avec la barre Language. Et pour nous ici, on va mettre French, on parle le français. Et on va lancer. Voilà, donc vous voyez que on me dit votre langue a été modifiée avec succès en français. Vous pouvez maintenant commencer la conversation. Voici quelques autres commandes que vous pouvez utiliser sur Camille. Personnalité, changer ma personnalité, changer la langue, générer une nouvelle image en utilisant mes journées par exemple. Et voilà, donc ici, maintenant vous allez maintenant poser toutes les questions que vous voulez. Et si vous voulez générer des images, vous allez mettre la barre et vous allez mettre imagine par exemple. Donc si je pose une question, je peux mettre, je sais pas, je peux mettre quelle question. Je peux mettre quelle est la capitale par exemple. Quelle est la capitale de la France par exemple. Voilà, et j'envoie la capitale de la France est Paris. C'est une ville magnifique avec une histoire. Donc vous voyez, si vous voulez générer une image, vous allez venir mettre la barre là et vous allez mettre imagine. Je peux mettre Tour Eiffel. Imagine Tour Eiffel par exemple. Vous n'êtes actuellement pas en conversation. Vous devez d'abord terminer l'intégration si l'intérêt persiste. Donc ici, on me dit que je dois terminer l'intégration. Si vous voyez, ils ont collé la barre à image. Moi, j'ai séparé. Donc là, voilà. Donc là, quand vous allez écrire, vous allez mettre la barre par exemple, il y a mis imagine chien par exemple, et là on me dit génération de l'image, cela peut prendre quelques minutes. Voilà, donc là maintenant on va patienter à ce que on nous génère notre image. Donc si vous pouvez voir dans l'exemple ici, c'était imagine chat. Donc vous allez mettre imagine, vous pouvez mettre tout ce que vous imagine Mickey, imagine joueur. Et là, on va vous donner des images. Donc là, on nous dit que génération de l'image, cela peut prendre quelques minutes. Donc là, on va mettre la vidéo sur pause pour attendre que on génère l'image. Voilà, donc vous allez patienter. Je rappelle que ça met quand même du temps.
J'ai voulu patienter à ce que l'image sorte, mais le côté image met quand même du temps. Donc j'espère que vous aurez ce temps-là pour patienter. Il est 2h26 ici. Donc portez-vous bien et restez branchés toujours sur la chaîne FOI à ces ambitions.